Alors, normalement, je devrais reprendre demain. Parfait. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Chevalier, donc je suis responsable du service information et documentation à l'OCIM, l'Office de coopération et d'information muséale, et je suis également l'animateur du réseau MUST. Beaucoup de personnes qui participent au webinaire d'aujourd'hui connaissent le réseau. Mais pour les autres, je vais vous faire une petite présentation en 2 minutes et je vais vous rappeler que c'est un réseau de professionnels de l'information et de la documentation dans le champ des musées, du patrimoine et de la culture scientifique et technique. C'est un réseau de professionnels pour les professionnels qui est animé par l'OCIM et qui existe depuis maintenant un petit peu plus de 12 ans. Il regroupe 350 membres, majoritairement situé en France, mais également dans la francophonie. On a des membres en Belgique, en Suisse, au Québec, mais aussi un petit peu au Luxembourg, en Afrique du Nord, dans les pays comme le Maroc. Son comité de pilotage, il est constitué de plusieurs institutions, le Musée des Arts et Métiers, le Musée national de l'éducation, le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, l'Institut national du patrimoine, le Service des musées de France, Universcience, donc l'établissement qui réunit le Palais de la Découverte et la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, le Musée des Confluences, le Musée de l'histoire de l'immigration et le CIM. Ce sont toutes ces institutions du comité de pilotage et les professionnels qui y travaillent, qui en fait organise l'ensemble des activités qui sont mises en place pour les membres du réseau MUST. Donc en termes de programmation, vous y avez peut-être déjà participé, mais on a une programmation, je dirais, classique hein, pour un réseau, puisqu'on organise des journées professionnelles, une à deux par an, selon des cycles thématiques. On a déjà travaillé sur la problématique des réseaux documentaires, la problématique de la veille, et plus récemment, un cycle sur la place de la documentation dans les musées, et plus largement dans les institutions muséales. Vous pourrez retrouver sur le site de l'OCIM, sur la page dédiée à MUST, je vous enverrai le lien, l'ensemble des podcasts et ou vidéos de toutes ces journées professionnelles. Et si vous avez envie d'aller écouter tout ou partie des interventions sur les thématiques que je viens de mentionner, ben, vous pouvez y aller, c'est librement accessible sans aucun souci. Au-delà de ça, on organise aussi des visites thématiques tous les ans au printemps. L'année dernière, elles n'ont pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire, bien évidemment. Mais on a bon espoir de pouvoir en réorganiser rapidement. En fait, on demande à des professionnels de présenter leur centre de documentation ou bibliothèque autour d'une thématique précise et on reçoit d'autres professionnels en petits groupes pour réfléchir ensemble autour de cette problématique. Ça marche super bien. Vous êtes cordialement invités à y participer lorsque les prochaines éditions seront mises en place. D'autres choses, il y a aussi des publications qui sont accessibles dans la bibliothèque numérique de l'OCIM gratuitement. Je vous invite aussi à aller les consulter. Et un nouveau format donc qu'on inaugure aujourd'hui hein, à distance. C'est la première fois qu'on fait ça. D'ailleurs, on le voit bien puisqu'on a eu 10 minutes de latitude, de problèmes un petit peu techniques pour se connecter. Pourtant, on s'était entraîné, je vous promets. Mais bon, on n'a pas la maîtrise de tout. Et donc, ce nouveau format, donc c'est des webinaires où on invite un professionnel à s'exprimer autour d'une problématique d'actualité. Maintenant que j'ai présenté un peu le réseau, il me reste deux points à vous mentionner. Le premier qui est très important et qui me tient à cœur, c'est les remerciements. Parce que, voilà, je trouve que c'est très important. Et l'ensemble des remerciements que je vais faire là, ben, sachez que ma directrice, Eva Matchek, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisqu'elle, enfin, voilà, elle est aussi responsable du secteur développement professionnel et elle est actuellement directrice par intérim de l'OCIM, elle se joint à moi ben, voilà, pour les faire, ces remerciements. Elle me disait encore hier qu'elle croit beaucoup dans le travail en réseau et qu'elle pense que c'est un des piliers de l'OCIM hein, dans l'ensemble de nos missions. Donc, elle se joint à moi pour remercier nos tutelles, à l'OCIM, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et l'Université de Bourgogne, qui financent en grande partie le réseau. On remercie évidemment tous les membres du comité de pilotage, sans qui rien n'est possible. Et à titre personnel, je le fais à chaque fois, je prends encore 15 secondes pour le faire. Je les remercie toutes et tous chaleureusement ben voilà, de travailler dans la bonne humeur, dans l'efficience. C'est vraiment top de travailler avec vous tout au long de ces années. Je remercie tous les membres du réseau et tous ceux qui sont présents aujourd'hui. On va être plus de 60, c'est ce que je disais. Enfin, on a eu un peu plus de 60 inscriptions. Et c'est vraiment chouette de voir qu'il y a un retour aussi, une attente de nos publics par rapport aux thématiques et aux actions qu'on propose. Et donc, je vous remercie. Et mon dernier remerciement, mais
pas le moins, comme on dit, un last but not least, c'est au Musée d'Art de Nantes et à Michael avec qui on a travaillé. C'est lui qui va essuyer les plâtres sur le webinaire. C'était vraiment super sympa de travailler avec toi, un vrai plaisir sur l'organisation de ces webinaires. Toutes tes propositions, toutes tes idées, voilà, ça a été précieux, pertinent. Et je pense que pour tous ceux qui vont participer, il y aura un contenu riche et super intéressant. Le dernier point, promis, ça concerne les spécificités quant à l'organisation du webinaire d'aujourd'hui, afin que tout se passe pour le mieux. Ça, vous devez en avoir l'habitude, mais on va vous demander de garder vos micros éteints pour éviter tout parasitage lors de la présentation. Ça peut être relativement désagréable. Par contre, vous pouvez activer vos caméras si vous le souhaitez. Ça sera plus convivial et je pense que Michael appréciera aussi, plutôt que d'avoir une somme d'écran noir en face de lui, d'avoir des visages, des personnes. Voilà, comme si on était en vrai. On fait du mieux qu'on peut à distance, mais ouais, il y a des petits coucous de c'est personnes. Bien, ouais. Donc ça marche, hein, parce que si, mais je pense que ça doit marcher normalement si on active les caméras. Oui, il n'y a pas de problème. Normalement, on a une infrastructure solide en termes de bande passante. Bon, et puis on ne peut pas avoir tous les problèmes. Hein. On a un problème de doublage de room, on ne va pas avoir un problème non plus de bande passante. Concernant les questions, je vous invite à les poser via le chat de Zoom et je me chargerai en ma qualité de modérateur de les synthétiser, de les poser à Michael au moment opportun, soit à la fin de la session, parce qu'on aura un large temps d'échange tous ensemble, soit au milieu de son intervention si ça me semble important pour la compréhension de son propos. En tout cas, passez bien par le chat et moi, je me chargerai de faire le relais. Dans la deuxième partie du webinaire, vous aurez la parole, vous pourrez prendre la parole pour réagir ou pour nous faire part de remarques ou de votre expérience par rapport à la thématique qu'on traite. À ce compte-là, n'oubliez pas de bien vous présenter, de présenter votre institution. Et sachez, comme je vous l'avais précisé dans le formulaire d'inscription, que ce webinaire est filmé et qui sera après remis à disposition des publics sur la chaîne YouTube de l'OSIM. Donc voilà, pour en garder archives, mémoire, et puis aussi parce que je pense que ça peut intéresser tout un tas d'autres professionnels. Un autre petit point, et j'ai presque fini, promis, on va essayer de vous faire participer par le biais de petits sondages pendant le webinaire. Donc si vous pouvez jouer le jeu, ça serait super sympa. Voilà, ça nous permettra de rebondir, d'illustrer, d'orienter le propos de Michael. Donc voilà. Petit propos liminaire, j'espère que ce n'était pas trop long et je vais laisser la parole à Michael parce que vous êtes tous là pour l'entendre avant tout, pour animer ce webinaire, les centres de documentation d'institutions muséales face à la crise sanitaire, le cas du musée d'art de Nantes. Michael, tu as la parole, tu as les manettes, c'est à toi. Merci. Ok, merci Stéphane, merci l'OSIM et le comité de pilotage et toutes les personnes que tu as citées également. Du coup, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous ne m'entendez pas, faites-moi des signes. Bon, voilà, a priori, ça marche. Ce que j'ai prévu, en fait, ce n'est pas du tout une leçon ou quelque chose comme ça. C'est plutôt un retour d'expérience qui, à la fin, je l'espère, et en cours de route, vous permettra aussi et nous permettra d'échanger sur comment nous tous, dans nos structures, on a vécu cette période qui est, depuis un an, qui dure depuis un an. Voilà. Moi-même, en fait, personnellement, je suis curieux de savoir ce qui s'est passé ailleurs. J'ai quelques petites idées parce qu'on échange, c'est vrai, informellement entre nous, des fois au cours de mails et au cours de nos échanges, mais j'aimerais bien en savoir aussi plus sur ce que chaque structure a fait pendant cette période. Avant de commencer... En fait, à vous parler de cette période, je vais quand même recontextualiser, vous présenter un petit peu le Musée d'Art de Nantes rapidement pour ceux qui ne connaissent pas et aussi la bibliothèque du Musée d'Art de Nantes précisément pour voir un petit peu de quoi on parle. Je vais essayer de repartager mon écran pour avoir des images en fond. Vous allez me dire si ça marche. Alors, ce n'était pas ça, évidemment. Là, maintenant, c'est la partie partage d'écran. Donc, je fais
Tchac, 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 là. Alors, quelques instants. Appelez ça. Escape. Donc, là, partager l'écran. C'est ça. Partager. Hop. Et voilà. Alors, comment ça marche, ça? Bon, j'arrive pas trop à changer les images. Ah si. Voilà. Donc, là, vous voyez la bibliothèque. Mais du coup, dans un premier temps, je vais vous parler du musée. Alors, j'ai pris une maquette, en fait, pour vous montrer un petit peu le musée qui, en fait, a eu une restructuration complète qui a réouvert il y a 3 ans. Qui a été fermé pendant 5 ans à peu près. Voilà, c'est un musée donc du coup qui est depuis 120 ans dans les mêmes locaux et qui donc a été créé bien avant, au début du 19e siècle, mais qui a trouvé sa place actuelle qu'au début du 20e siècle. C'est un musée, en fait, une des particularités de ce musée, alors je vais faire rapidement sur le musée, qui a depuis le 19e siècle acheté l'art de son temps. L'art des contemporains de l'époque, à tel point que au début du XXe siècle, quand des conservateurs étaient un petit peu trop classiques, une société des amis du musée s'est créée pour favoriser l'achat d'œuvres contemporaines. C'est un musée sinon qui est très orienté, qui est orienté beaux-arts, c'est-à-dire qui n'a pas d'art décoratif ou d'autres, qui est vraiment comme axe principal qui a les beaux-arts du XIIIe au XXIe siècle. Voilà. Donc du coup, achetant l'art de son temps, c'est un musée qui se trouve aujourd'hui avec des collections assez importantes en 19e et 20e siècle qui complètent des collections anciennes qui existaient déjà à l'avance. Un musée qui propose un programme assez dense d'expositions, voilà, entre 2 et 4 expositions par an. Ma directrice est aussi là, donc peut-être tout à l'heure, elle pourra éventuellement compléter si j'ai dit des erreurs. Donc, le musée a été totalement rénové entre 2011 et 2017. Si vous voyez l'écran, alors je pousse vos visages pour revoir l'image. Alors, ça défile. On voit qu'il y avait l'ancien palais et on aperçoit, alors ce qui s'intitule « Archives » sur cette image est en fait la bibliothèque. La bibliothèque a profité en fait de la rénovation de ce musée pour avoir des locaux dédiés et adaptés le plus possible au stockage de livres, à l'accès au public dans le musée. Autrefois, la bibliothèque était intégrée aux salles du musée. Enfin, on apercevait la bibliothèque quand on visitait le musée. Aujourd'hui, la bibliothèque, comme on le voit, est à un bout de l'ensemble muséal, en fait, dans des locaux dédiés sur 6 étages. Ces locaux sont partagés avec le cabinet d'art graphique. La bibliothèque, précisément, donc c'est une bibliothèque du coup, qui suit les spécificités du musée et qui est très axée sur les beaux-arts du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, qui, ma foi, dans ses fonds généralistes, ressemble à pas mal de nos bibliothèques de musées d'art. Donc à peu près 40 000 volumes, mais qui a quelques particularités. Donc il y a quelques fonds particuliers, notamment un que je vous citerai parfois, qui est la DIAC, la Documentation internationale d'art contemporain, et qui est un fonds en fait privé qui a été donné par un collectionneur qui s'appelait Gilda Fardel et qui nous permet d'avoir un fonds assez conséquent. Alors on le voit. Je vous mets tout de suite l'image. Voilà, ce que vous voyez à l'écran là, c'est la documentation internationale d'art contemporain qui comprend 25 000 dossiers et à peu près 100 000 documents à l'intérieur concernant l'art international de 1945 aux années 1980, qui est un atout assez, assez intéressant que je pourrais développer si vous le souhaitez. Donc, en fait, une bibliothèque qui a comme intérêt local, à la fois son fonds généraliste, quand elle touche le public visé, qui sont les étudiants d'histoire de l'art, en précisant qu'à Nantes, il y a une université, enfin, il y a une filière histoire de l'art à l'université. Et
donc qui s'intéresse aux fonds généralistes. Et à l'échelle nationale, ce qui peut être intéressant pour les chercheurs, c'est effectivement ce fonds DIAC, en plus de nos fonds d'archives du musée qui concernent les œuvres du musée et les expositions du musée, par exemple. Pour préciser aussi comment se place la bibliothèque est hors du réseau municipal de lecture publique. Elle est autonome au sein du musée, donc avec son propre logiciel et sa propre maîtrise de toutes ses actions. Et puis, pour aussi être précis, actuellement, je suis seul à la bibliothèque, enfin, seul en charge de la bibliothèque du musée, avec des stagiaires parfois. C'est-à-dire que dans notre musée à Nantes, la documentation d'œuvres existe, mais enfin, on travaille main dans la main, mais la bibliothèque et la documentation constituent deux services différents, ainsi que la photothèque. Donc, la bibliothèque a réouvert en 2018 et, étant fermée pendant 5 ans, avait perdu beaucoup de ses lecteurs qui n'avaient pas eu besoin d'elle, enfin, qui s'étaient passés d'elle pendant 5 ans. Et c'est assez important pour aussi tout ce que je vais vous dire par la suite, en fait. C'est-à-dire qu'à la réouverture, la bibliothèque était un peu absente du réseau documentaire des personnes qui faisaient des recherches en histoire de l'art. Sachant qu'à Nantes, il y a aussi une bibliothèque de l'École des Beaux-Arts qui est accessible à l'extérieur, aux étudiants, même à tout le monde, à condition de prendre une carte, qui n'a pas exactement les mêmes options que nous, qui est beaucoup plus orientée art contemporain, évidemment, mais qui a un fonds assez conséquent. Et puis, en préalable à vous parler de cette année, je voulais aussi vous préciser que la bibliothèque du Musée d'Art de Nantes, du coup, moi en tant que responsable, est intégrée aux réunions de direction du musée et aux réunions de conservation aussi. Ce qui permet, c'est un atout assez intéressant pour être informé de tout ce qui se passe dans le musée, pour y participer directement, avoir connaissance des projets dès leur origine, pouvoir des fois impulser aussi des projets. Et la bibliothèque est considérée, enfin, souvent, et Sophie ne me contredira pas, ma directrice, comme la 5e collection du musée. Après, art ancien, 19e, moderne et contemporain, la bibliothèque, les collections de la bibliothèque font partie à part entière des collections du musée. Michael, pendant qu'on y est, on a une question pour développer un petit peu sur le DIAC. On nous demande comment les documents ont été traités et comment sont-ils diffusés. D'accord. Oui, je peux le dire succinctement maintenant. Tous ces documents, il y a environ 100 000 documents. Un inventaire a été effectué par l'INHA en 2006, quelque chose comme ça, un inventaire succinct. Sur les 100 000 documents, il y en a 4 000 catalogués. Ils sont tous classés, mais en fait, il y a un travail assez conséquent à faire et je pense que j'y reviendrai tout à l'heure, justement. Pour moi aussi, dernière petite chose en préalable, je suis arrivé à la bibliothèque il y a un peu plus de 2 ans. Je venais plutôt de la lecture publique auparavant. J'étais responsable des collections à la bibliothèque municipale de Nantes. Et le poste m'a tendu les bras et voilà. Quand je suis arrivé, en fait, ce que je me suis dit, et en accord avec ma hiérarchie, c'est qu'il fallait qu'on construise un projet de service. Et en fait, c'est aussi un des pivots de l'action qui m'a guidé pendant et qui nous a guidé pendant cette année. Notamment, ce projet de service, je l'ai déjà finalisé pendant le premier confinement, ayant un peu plus de temps pour me pencher là-dessus. Donc, le projet de service, c'était un travail d'à peu près 1 an. Qui s'est fait en plusieurs phases, mais qui m'a permis en fait de voir les atouts et les faiblesses de notre bibliothèque et du coup pour en faire un guide pour avancer sur du moyen terme, au moins 5 ou 10 ans. C'est notamment grâce à ce guide que on a pu faire les choses dont je vais vous parler. Ce projet, je l'ai présenté aux collègues aussi, ce qui permet à tous les collègues du musée qui souvent ignorent un petit peu nos missions,
de mieux savoir en fait quelles sont nos missions et surtout quels sont nos projets à court et à moyen terme. Voilà, quelles sont nos priorités. Ça nous permet aussi ce projet de service. Donc, ça fait une quinzaine de pages. C'est aussi, ça a été tout un travail de collecte d'informations sur les historiques, sur les fonds, de l'évolution depuis un siècle, etc. De connaissances du public aussi, de statistiques, de benchmarking, en fait, voir aussi quelles étaient les collections localement et nationalement avec lesquelles on était en, pas en concurrence, mais en, sur les, avec lesquelles on travaillait. À tel point, en fait, que assez souvent, je le relis. Donc, le projet, là, par exemple, je l'ai relu hier ou avant-hier, avant de vous présenter ce webinaire, parce que c'est aussi, ça reste en fait un guide pour moi-même en fait. De ce projet d'établissement sont sorties trois missions. La première était de mieux signaler les collections. La deuxième, c'était élaborer une meilleure communication auprès de lecteurs potentiels, à la fois localement et nationalement. Et puis la troisième, c'était quelque chose de plus interne, qui était une rationalisation des réserves, en fait, qui restait à accomplir suite au déménagement des collections. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur en préalable ? Oui, ce que j'ai ressenti, en fait, grâce au projet de service et à mon arrivée, en fait, c'est quelle était la place idéale que la bibliothèque peut avoir au sein du musée. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un service ressource, hein, mais c'est en fait comment rendre la bibliothèque la plus utile, comment la bibliothèque peut être un service facilitateur, pas seulement des fois dans son domaine de documentaire, mais être aussi un lieu facilitateur pour tous les autres services. Donc, c'est quelque chose que j'essaye d'établir peu à peu en m'appuyant sur le projet de service. À tel point, en fait, les collègues, en fait, par exemple, quand on a fait un projet d'établissement avec le musée, plusieurs collègues, en fait, voyaient la bibliothèque essayer de jouer un rôle plus important auprès du public, etc. Enfin, attribuer à la bibliothèque une vocation un peu plus importante. Venons-en à cette période si particulière. Je ne sais pas quelle heure il est, d'ailleurs, il faut que je guette un petit peu le timing. Ouais. Je te dirais, mais on a commencé à peu près presque un bon quart d'heure en retard. Ouais, mais bon, on essaiera de le rattraper peut-être. On ne va pas non plus étendre trop. Tout à fait. Mais tu as quand même de la flexibilité là sur ton temps. Ouais. En fait, en préalable, j'ai essayé, ou alors peut-être si tu peux le faire, Stéphane, d'envoyer aussi la première question qui était. Est-ce que votre bibliothèque est restée ouverte lors du deuxième confinement ? C'est un petit système de sondage, ça nous permettra de voir en fait aussi de pouvoir se faire des statistiques un petit peu en direct. Et Stéphane a la main pour lancer un micro-sondage qui va apparaître sur votre écran a priori. Voilà, je te laisse broder pendant 30 secondes le temps. Ouais, que... ouais, ça roule. Donc ouais, la première question en fait que je vais aborder, c'est le rapport au public extérieur. Le rapport en fait de cette année au public extérieur. Ce que j'ai l'impression, mais j'aimerais bien en savoir plus grâce au sondage, c'est que de nombreuses bibliothèques sont restées fermées. Bon, nous on a été fermés lors du premier confinement, mais comme tout le monde en fait, enfin tout était à l'arrêt. Lors du deuxième confinement, on a été fermé une semaine et on a réouvert tout de suite. Alors, paradoxalement, et je vais vous expliquer pourquoi, on a même réouvert avec des horaires plus étendus qu'auparavant, c'est-à-dire matin et après-midi, 5 jours par semaine, alors qu'on n'était que l'après-midi, 4 jours par semaine. Et on a essayé aussi de valoriser cette ouverture. Et voilà, le sondage est apparu. Vas-y, tu peux continuer ton propos là-dessus. Ouais, je vois le sondage. Tout le monde aura voté, on pourra rebondir là-dessus. Ouais. Du coup, comme vous l'avez peut-être aperçu, si le panorama défile, le diaporama défile derrière les écrans, vous avez dû voir des affiches qui précisent si vous êtes étudiant, venez travailler à la bibliothèque.
nous avons un lieu et des conditions très correctes à vous offrir. C'est en fait un partenariat qu'on a fait en accord avec l'université qui peinait en fait à satisfaire tous les étudiants, d'autant que la circulation était contrainte, je crois, à 1 km, à une durée, etc. Et donc, en partenariat avec eux, on s'est dit qu'on pouvait leur offrir, le musée était fermé, mais la bibliothèque pouvait continuer à ouvrir en offrant un lieu qui donnait accès à des bonnes conditions d'études, peu importe que les étudiants soient en histoire de l'art. C'était vraiment là, pour le coup, ouvrir à tous les étudiants. Ça a été très relayé par l'université, relayé aussi du coup par le musée, sur les réseaux sociaux, etc., relayé par la presse. Et en fait, ça n'a pas tant que ça marché. On a eu des étudiants. Alors, moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas tant que ça marché, puisqu'on a eu, je crois, 11 demi-journées, enfin, je vais compter en demi-journées, de présence de personnes. D'étudiants d'ailleurs qui venaient effectivement d'un peu toutes les disciplines, histoire, il y avait eu en droit, en médecine, etc. Ça n'a pas fondamentalement marché, mais bizarrement par contre ça continue, c'est-à-dire qu'en fait j'ai des demandes continues que j'essaye de satisfaire, l'université ne pouvant pas fournir des places assises et accueillir tous les étudiants. Donc c'est un service là qui dépasse un petit peu le musée, mais qui est plus une sorte de service public, de lieu, donner accès à un lieu public. Michael, je signale ouais. le diaporama reste bloqué sur la vignette où on voyait, tu sais, les fichiers d'archives. Ouais. Voilà, donc là, voilà, ça recommence à défiler. D'accord. Et donc, le sondage, est-ce que tu es d'accord? Je peux le ouais. On est à 3 minutes. Et au niveau des résultats, on a 16 personnes qui ont répondu oui et 19 personnes qui ont répondu non. Et ça sera à toi de réagir, mais moi, j'avoue que j'étais surpris de savoir qu'on est proche du 50-50. Oui, quand même, en fait, au final. Ouais. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça, mais voilà. Et non, moi aussi, je ne m'attendais pas tant que ça, puisque j'étais plus tombé sur des bibliothèques qui étaient restées fermées. Donc, tant mieux, du coup. Enfin, hein, tant mieux pour le public que vous ayez pu rester ouvert et laisser vos établissements, enfin, vos bibliothèques ouvertes. Et du coup, c'est par la suite, quand on discutera, justement, je pense qu'on sera tous curieux de savoir... si vous avez eu du public, enfin ceux qui sont restés ouverts, s'ils ont eu du public, quel type de public, et est-ce que les missions ont pu être accomplies, enfin moi j'en suis très curieux en tout cas. Et après du coup, si l'autre question serait, est-ce que là à nouveau du coup vous êtes plus nombreux à ouvrir en fait, enfin est-ce qu'on les leçons du premier, enfin du premier deuxième confinement vous permettent aujourd'hui d'ouvrir plus largement vos établissements. On pourra peut-être se faire ce sondage-là juste après. Parfait. En tout cas, ouais. Et je l'envoie d'ici 30 secondes. Si tu veux. Donc, du coup, aussi la solution qu'on a trouvée, puisque bon, quand je dis que ça n'a pas beaucoup marché, ça n'a pas beaucoup marché avec ces étudiants extérieurs. Par contre, les étudiants, le fait d'être ouverts en continu et d'avoir fait la communication, donc on a vu les affiches. Alors, j'essaie de retrouver ces affiches-là. Check. Diaporama. Hop. Là. On va revoir les affiches passer. Nous a permis de toucher, par contre, un peu plus les étudiants d'histoire de l'art qui, du coup, voyant des affiches partout à l'université leur rappelant que les bibliothèques du musée d'art étaient ouvertes, sont revenus sans que j'aie besoin de signaler à tout le monde qu'on était réouvert. Donc moi, ça m'a permis aussi de développer de la com, de la future com qui servira par la suite, puisque avec le service de la communication, on a développé tout un système d'affiches. Pour l'ouverture, on s'est calé sur les ouvertures des bibliothèques municipales de Nantes. C'est-à-dire que tant que la bibliothèque municipale ouvre, on s'est dit qu'on pouvait ouvrir, puisque ils font valider par des fois la mairie, en fait, le fait qu'ils soient ouverts. Donc, on se met dans leur même… On suit le même système avec les mêmes règles sanitaires que c'est un appui assez pratique, en fait, du coup, pour cela. Et là, lors du troisième confinement, on n'a pas du tout fermé. Et
pour moi, c'est assez important parce que là, en fait, justement, on est dans une, je suis dans une phase où la bibliothèque reconquiert des lecteurs. Et si on refermait aujourd'hui, ce serait repartir encore, rechercher les lecteurs difficilement, quoi. Sachant que vraiment, depuis la réouverture du musée, on a une courbe qui va en montant, qui a été rompue en mars et qui reprend à peine simplement, en fait. Au mois de mars, on avait une fréquentation très importante et qu'on n'a jamais retrouvée depuis, hein. Mais je ne sais pas pour vos équipements non plus ce qui se passe. Tout cet accueil d'études, enfin, c'est comment dire. Pour accueillir tout ce public, en fait, un des atouts, ça a été que j'ai pu m'appuyer sur le service d'accueil du musée. Les agents d'accueil étant un peu, comment dire, sans trop de travail, puisqu'ils n'avaient plus de public à accueillir. Alors, ils avaient bien du travail et ils ont accompli beaucoup, beaucoup de choses. Ça allait de la relecture du site, certains allaient dans les EHPAD, d'autres aujourd'hui sont dans des centres de vaccination, etc. Mais il restait toujours quelques collègues du service accueil qui, du coup, se sont portés volontaires sur notre suggestion pour venir aider à la bibliothèque, aider à accueillir justement des publics variés sur des durées beaucoup plus longues. Et ça a été vraiment quelque chose qui a très, très bien fonctionné. Donc, il y a eu. J'ai compté 39 jours de présence des agents d'accueil à la bibliothèque, ce qui a permis alors non seulement de réaliser ce qu'on a fait, mais aussi d'effectuer d'autres missions que j'aurais pas pu faire tout seul, genre déménagement de collections, faire des envois dont certains à vous d'ailleurs, à certaines personnes que je vois là, des états de collection pour le SUDOC et autres. Mais en plus, l'atout que j'y vois, parce qu'en fait, ils ont commencé à venir m'aider après le premier déconfinement, quand les musées étaient ouverts, mais qu'il n'y avait, il n'y avait pas beaucoup de public. Hein. Donc, en fait, certains venaient m'aider comme ça pendant 2 heures par jour. Et j'ai remarqué aussi que, du coup, c'était devenu des ambassadeurs de la bibliothèque auprès du public, qui, du coup, avant, ne savaient pas très bien ce que la bibliothèque. Quelles étaient les missions de la bibliothèque, qu'est-ce qu'on y trouvait. Et depuis, c'est devenu des ambassadeurs de la bibliothèque. Ils sont 5, 6 à être passés, à avoir fait soit une journée, soit des fois 10 jours à la bibliothèque. Et c'est très, très pratique, en fait, pour la bibliothèque, pour se faire valoir aussi. Voilà, c'est un petit peu sur l'ouverture. Voilà, on a les résultats là, du troisième confinement. C'est à peu près similaire. J'aurais presque dit un tout petit peu plus de noms d'ailleurs. Oui, ce qui est... On reste autour du 45-55, hein, comme le premier confinement. Ouais. C'est assez instructif quand même. Il y a pas mal de bibliothèques ouvertes. Alors après, j'ai vu des bibliothèques, j'ai eu des collègues qui m'ont dit dire qu'il paraît au plus pressé quand une demande est assez importante, il donnait accès, sachant que sur le site, la bibliothèque peut être marquée fermée, mais avec quelques accès pour des cas très précis. On pourra en discuter tout à l'heure, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Je crois que ça serait un sujet intéressant à lancer tout à l'heure, parce qu'il y a des remarques dans le chat là, qui nous disent oui, ouverture, mais sous condition, oui, ouverture, mais pour un certain public en particulier. D'accord. Ouais. Surtout uniquement, on voit que c'est une ouverture, oui, mais Ouais, d'accord. Ouais. avec des modalités particulières. Ouais, bah oui, on pourra en discuter tout à l'heure justement du coup. Et sinon sur le public extérieur cette année, je pense, enfin, je serais curieux aussi, mais on pourra en discuter sans faire de sondage obligatoirement. Moi, j'ai remarqué une augmentation du nombre de demandes extérieures. Alors, ce que j'appelle demandes extérieures, c'est les demandes qui viennent souvent d'une autre ville, de gens qui ne peuvent pas se déplacer, mais qui nécessitent un petit temps de recherche, en fait. Enfin, pas la demande simple, avez-vous tel document, ou pas la demande à laquelle on peut répondre en 3 minutes, mais celle qui demande d'aller farfouiller un peu dans les archives, de gratter un peu plus la demande et de répondre, de scanner quelques articles, quelques bouts d'archives. Ces demandes ont fortement augmenté, puisque, enfin, de mon côté en tout cas,
on est passé de, enfin, elles ont augmenté de 50% en 2020. Et là, on est à fin mars avec un nombre qui avoisine déjà ce que le nombre de demandes totales pour auxquelles on avait répondu en 2020. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est là on est à 10 demandes poussées à fin mars. Ensuite, en interne, alors c'est quoi c'est, bon, c'est le sondage qui réapparaît. Hop, je le chasse. Et en interne, en fait, du coup, ben, de notre côté, la première mission en fait, à accomplir a été toutes les missions lors du premier confinement sur les ressources numériques. La bibliothèque étant vraiment là, pour le coup, une des manières pour les collègues d'accéder à de la documentation. Donc, un travail que je n'avais jamais entrepris systématiquement, en fait, a pu être mis en place d'un fichier de ressources numériques avec tous les codes possibles et imaginables qu'on pouvait donner à, enfin, pour donner accès vraiment aux équipes, notamment particulièrement de la conservation et du service des publics. Ce fichier, en fait, a pas mal servi lors du premier confinement, puisque de fait, là, la bibliothèque était fermée et moi-même, je n'y passais jamais. Et on a pu, comme ça, des fois, résoudre obtenir de la documentation. En parallèle, qu'est-ce que je m'étais dit? Oui, en parallèle, du coup, c'était l'occasion de lancer le projet de service. En fait, le projet de service avait été écrit, donc on a pu le lancer et enfin effectuer. Alors là, c'était justement la partie premier confinement qui, étant moins pris par le catalogage, toutes les tâches quotidiennes de la bibliothèque, en fait, j'ai pu lancer le référencement de nos revues sur le Sudoc et puis l'intégration de notre base au CCFR. Et je remercie encore la DNF qui a pu faire ça en partie lors du premier confinement pour être réalisé vraiment à l'issue du premier confinement. C'est effectivement des choses que je n'aurais pas eu obligatoirement le temps de faire en temps normal d'ouverture de la bibliothèque. Ça a été aussi l'occasion pour la bibliothèque de participer à une acquisition d'œuvres du musée, en fait. C'est un document en papier, mais qui… j'intègre ça au confinement et à cette année, c'est que des budgets n'ayant pas pu être dépensés ont permis d'avoir un petit peu plus de subsides permettant d'acquérir des documents. Et c'est un document qu'on a intégré aux collections du coup du musée plutôt que de la bibliothèque, même si du coup il est référencé à la fois sur le site de la bibliothèque, donc on le retrouvera sur le CCFR, et aussi comme œuvre du musée dans l'inventaire musée. Sabre un petit peu, enfin, je ne vais pas non plus vous détailler tout ce que j'ai pu faire cette année que les confinements m'ont permis, mais qui n'ont pas grand trait avec notre discussion. Ce que je retiens en fait, aussi dans ce qui a pu être positif, dans ce qu'on a pu faire, c'est le côté maintenir l'ouverture à tout prix de la bibliothèque. Puisque, comme je vous le disais, on avait vu lors des travaux qu'une fermeture, en fait, est toujours très dure à surmonter et met du temps, en fait. On nous oublie vite. En interne, par exemple, il y a encore 2 ans, les médiatrices, avant de demander à la bibliothèque si on pouvait leur fournir un renseignement, allaient d'abord chercher sur Internet, faire leur recherche sur Internet vite fait, puisqu'elles n'avaient pas accès depuis 5 ans à une bibliothèque. Pendant la fermeture, il y a eu des périodes d'accès et des périodes où les documents étaient stockés et inaccessibles. Bref, l'habitude était perdue et je pense que maintenant, au bout d'un peu plus de 2 ans de réouverture de la bibliothèque, même en interne, l'habitude revient maintenant de voir d'abord est-ce que le catalogue de la bibliothèque, est-ce que le bibliothécaire peut nous aider dans notre recherche. Et le cas échéant, on double en allant aussi sur Internet, sur des ressources en ligne. Voilà, donc ça, c'est maintenir l'ouverture de la bibliothèque que j'ai considéré comme étant le primordial pour ne pas voir partir les lecteurs et avoir du mal à les rechercher ensuite.
Le positif aussi, c'est l'accueil de collègues là, du service accueil. Alors, d'autres services m'ont demandé aussi, hein, la collègue qui s'occupe notamment de la programmation du musée, qui, une fois qu'elle a déprogrammé des quantités d'actions culturelles, a été un peu démunie et aurait bien aimé m'aider à la bibliothèque. Ce qui est assez positif, en fait, pour faire rayonner la bibliothèque au sein du musée, comme je vous le disais. Tout le temps libéré lors des confinements qui permettent de travailler sur les projets de long terme, ça par contre, on ne l'aura peut-être pas à nouveau. Le développement de la communication de la bibliothèque, qui s'est fait en fait en période de crise, mais qui du coup nous donne la base de la future communication entre flyers, affiches et réseaux sociaux. Donc l'augmentation des demandes à distance dont je vous parlais. Aussi, la bibliothèque a pu gérer il se trouve que la bibliothèque est aussi référent archive du musée, a pu gérer en fait le fait que le musée ait pu fournir aux archives municipales des archives Covid, on va dire. Tout ce que le musée a produit en cette période particulière, donc ça allait des documents en interne jusqu'aux documents pour le public, à la signalétique, aux courriers de soutien des visiteurs, etc., a pu être fourni aux archives municipales pour documenter le musée en temps de crise, en fait. Et puis, dernière chose assez étonnante, le nombre d'inscrits à la bibliothèque en interne a fortement augmenté. Je pense que ça, vous avez dû vivre ça aussi avant le premier confinement, avant le deuxième confinement, une ruée dans les bibliothèques pour emprunter des documents, à la fois des documents de travail, mais aussi des documents des fois un peu plus légers, quand on en a des romans, des BD, des choses comme ça. Et du coup, aujourd'hui, on est à 46 inscrits actifs au musée sur 60 collègues. Et notamment des collègues qui n'avaient jamais franchi le pas de la bibliothèque sont venus me demander ce que j'avais. Une sorte d'histoire de l'art des collègues qui ne sont pas dans la partie, on va dire, scientifique, mais administrative, qui voulaient des documents leur permettant de découvrir l'histoire de l'art, d'autres des romans de science-fiction, d'autres des romans qui traitaient d'art, enfin… Et puis aussi, quand même, tous les collègues qui se sont fournis pour effectuer leur travail. Je pense aux médiatrices qui arrivaient avec des valises pour pouvoir emprunter tous ces documents qui allaient leur tenir, espérait-elle, 2 mois. Quoi. Pour info, en fait, la bibliothèque prête en interne, mais ne prête pas au public extérieur. Ce qui n'a pas fonctionné, tout d'abord, c'est quelque chose de très personnel, c'est le télétravail. Je suis un très mauvais télétravailleur, donc je pense que dans la partie télétravail, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et c'est aussi peut-être aussi pour ça que la bibliothèque est restée tant ouverte, c'est que je pense que je suis plus efficace dans la bibliothèque que chez moi. C'est plus sympathique. La bibliothèque étant restée ouverte, en fait, c'est un lieu assez vivant du musée. Donc, ce qui a été moins efficace, c'est les étudiants qu'on disait en fracture numérique, là, ce dont je vous parlais au début, que la fac voulait pouvoir toucher, pour laquelle l'université a fait beaucoup de démarchages. J'ai eu contact avec des personnes responsables des programmes de réussite à l'université qui m'envoyaient des gens qui ne venaient pas. Donc, et notamment ça aussi, quand je vous dis, il y a eu 11 demi-journées d'étudiants dits en fracture numérique. Mais beaucoup de lapins, beaucoup de rendez-vous non réalisés et aussi beaucoup de demandes irréalistes. Et je continue à avoir des demandes irréalistes puisque encore des affiches traînent à la fac de gens qui me demandent si je peux les accueillir de 8h du matin à 8h du soir parce qu'ils ont un séminaire ou je ne sais quoi. Et là, je suis désolé, mais je ne peux pas faire plus non plus, quoi. Donc, mais ça montre aussi qu'il y a une demande en fait, de lieu dans la ville pour donner accès. Ce qui a moins fonctionné aussi, c'est que c'est une année sans stagiaire. Et donc, sans toutes ces missions qu'on fait des fois avec les stagiaires, celles pour lesquelles on n'a pas le temps de s'y mettre seul. Mais dès qu'on a des stagiaires, on s'y penche pendant 15 jours. On refait le site, on met à jour telle ou telle chose.
Bon, bah, c'est une année qui est un peu vide de ça. C'est une année aussi où, et je ne sais pas pour vous, où justement les ruptures d'accès aux ressources numériques ont été super mal prises. En fait, c'est-à-dire qu'on essaye, on a quelques ressources vitales, je ne sais pas moi, Artprice, des choses comme ça, et c'est pile là où ça bug, il faut relancer notre fournisseur. Et donc, c'est une année aussi où je me suis rendu compte qu'il fallait être encore plus vigilant sur la maintenance des ressources numériques, quelque chose qui n'est pas du tout facile, pas du tout évident et qui est assez chronophage. Également, ce qui n'a pas fonctionné, d'ailleurs, c'est plutôt neutre, c'est les mesures, en fait, les mesures sanitaires étaient assez lourdes au départ quand on a réouvert justement très, très tôt après le premier confinement. En fait, on a réouvert, je sais plus, dès l'ouverture de tout, avant le musée, en fait. La bibliothèque a réouvert avant le musée au mois de juin, je crois, 2020, quelques jours avant. Donc, des mesures assez, assez lourdes. Et bon, la bibliothèque étant, alors ça, c'est pas quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais c'est, je veux dire, c'est la rançon d'être présent tout le temps, c'est que étant le seul service permanent du musée, c'est la bibliothèque qui a géré au départ, au moins pendant 3 semaines, 1 mois, tous les équipements sanitaires du musée. Et c'est pareil, ça c'était assez chronophage, mais bon, très intéressant aussi de participer au relancement de l'ouverture du musée, quoi. Autre chose de très utile d'avoir maintenu le service ouvert, la bibliothèque étant, alors on l'aperçoit peut-être derrière moi, je ne sais pas si vous voyez quand je bouge mon écran, un lieu assez spacieux qui fait 200 mètres carrés. Mais en fait, quand on a réouvert lors du premier confinement et encore assez tardivement, c'est le lieu adéquat pour accueillir des réunions quand il y a plus que 2-3 personnes, même si on en fait aujourd'hui de moins en moins. Mais à la réouverture, au mois de juin, juillet, août, on continuait à en faire en respectant les consignes. Et du coup, la bibliothèque accueillait beaucoup de réunions, des réunions du service des publics, réunions de conservation, réunions de direction. Et du coup, bon, alors le moins, même si j'avais essayé d'établir tout un planning, le moins, c'était que j'essayais d'empiéter le moins possible sur des créneaux dédiés aux étudiants, mais ça en a quand même pris un petit peu de ces créneaux, donc j'ai dû un petit peu des fois déplacer des étudiants. Mais le plus, c'était aussi que il y avait un nombre de collègues incalculables qui passaient à la bibliothèque, qui du coup voyaient de plus en plus nos ressources, en empruntaient, c'est assez actif. Le plus, c'est aussi pour l'espionnage. En fait, j'étais au courant de tout ce qui se passait au musée, et du coup, j'ai pu aussi collaborer pas mal avec les collègues. Je dis ça, mais en fait, tous les jours, je vais dans les bureaux chercher le courrier de la bibliothèque. Et le moment, en fait, informel, qui est chronophage, de passer dire bonjour, c'est aussi un des moments où la bibliothèque a pu rendre service, souvent le plus souvent aux collègues, en échangeant informellement, en fait, c'est là où on se rend compte que, et les collègues se rendent compte qu'on peut leur fournir un service et que la bibliothèque peut être utile. Voilà. Une des choses, en fait, que je reprécise, au début, je vous disais que j'étais tout seul. C'est vrai que, du coup, d'être tout seul, il y a toutes les limites d'être tout seul. On n'a qu'un seul cerveau et moins d'idées. Enfin, la confrontation d'idées ne se passe pas et donc est un peu plus appauvrie. Mais ça donne aussi une souplesse et une agilité. C'est-à-dire que quand je discute et que je demande à que je propose à ma hiérarchie d'ouvrir plus ou d'ouvrir en continu et que c'est validé, je n'ai pas engagé toute une équipe. Enfin, et à persuader, c'est assez. Je n'engage que moi. Et du coup, c'est aussi beaucoup plus souple, en fait. C'est une certaine souplesse et en même temps une certaine limite. Et par exemple, une des limites, par exemple, est que tant que je serai seul, c'est vrai que je ne me lancerai pas dans de l'action culturelle du type conférence ou autre ou wiki, je ne sais quoi. Enfin, c'est beaucoup trop chronophage pour étant tout seul pour lancer de tels projets, en fait. Et puis je vois la limite d'être seul quand je vais sur les sites, que ce soit
le site du Carré d'Art à Nîmes, quand on voit leur newsletter, le LAM et tout ce qu'ils font, au MacVal, toutes les actions, enfin bref, le Facebook des musées de Strasbourg, enfin, où on voit toutes les actions qu'une bibliothèque peut entreprendre. Bon, et c'est effectivement, nous, étant seul, j'essaie d'aller à l'essentiel. Voilà. Comme petite question, je ne sais pas quelle heure est-il. Hein. Ouais. Il reste trois quarts d'heure de présentation. Ouais, mais en fait, j'en ai pas eu le temps pour très longtemps et après on peut discuter. Parfait. Moi, ce que je voulais dire, en fait, donc comme je vous le disais, c'était pas du tout une leçon, c'était plutôt un compte-rendu d'expérience, enfin un retour d'expérience. Mais une des grosses questions que je me pose, c'est comment aujourd'hui on peut garder en fait toutes ces petites modifications que. Enfin, moi, comment je peux garder toutes ces petites modifications que j'ai pu apporter à la bibliothèque avec ses plus et ses moins, enfin, et en tenant compte des moins, lors d'un futur retour à la normale, en fait. Enfin, par exemple, les horaires de la bibliothèque sont devenus un peu, peut-être un peu flous, mais ça a du bon qu'ils soient flous d'un côté pour l'accueil des demandes de lecteurs. Et puis, de toute façon, le musée étant fermé, avant, on dépendait pour les horaires de la bibliothèque des horaires du musée. Le musée étant fermé, il n'y a plus de mardi, par exemple, enfin, ça n'a plus de sens. Sur les horaires, comment sur les services rendus plus informels aux collègues, comment sur les demandes à distance, sur toutes ces questions aussi, comment continuer à expérimenter, en fait, quand on reviendra à la normale, garder cet esprit un peu d'expérimentation, de tentative. Sans que ce soit lourd, plombant, mais que ça reste en fait. Enfin, ouais, voilà. Comment garder cet esprit d'expérimentation. Et voilà. Et du coup, je pense que, enfin, moi, ce que j'en ai tiré, c'est ce que je disais à Stéphane au tout début, c'est que malgré toute cette période très très, enfin, instable, changeante, etc. Mais c'est justement, et toutes ces contraintes, c'est elles ont été moteurs de tentatives et j'espère continuer à en expérimenter à Nantes. Et je suis curieux aussi de voir toutes celles que vous avez effectuées. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Après, je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Et puis moi-même, je vous en poserai peut-être. Parfait. Merci Mickaël. Juste, alors il y a eu des questions, hein, pendant ton intervention. Oui, je ne les voyais pas trop. Je vais te demander de réagir sur quelque chose en particulier. Deux questions qui se rapprochent. Il y a quelqu'un qui demandait combien il y a de bases informatiques, je vois, de bases de données au musée en ce qui concerne la documentation, les collections, les photos. Est-ce qu'il existe des liens entre elles? Voilà. Et de manière générale, on demande aussi quelle collaboration avec le service documentation, avec le service photothèque. Donc là, c'est une question un peu générique sur l'articulation entre les différents types de ressources et les outils qui servent à les gérer. Ouais, il y a bien. Alors, je peux même faire. Je vais essayer de faire un partage d'écran en même temps que je vous réponds. Il y a bien deux bases. Enfin, nous, on a une base, la base de la bibliothèque, donc l'OPAC, hein, de la bibliothèque. Alors, attendez, j'essaie de. On va aller sur Musée Nantes. Alors, c'est, évidemment, c'est mon. Hop. Il y a. Vous me voyez là, en fait, mais vous voyez le partage d'écran ou pas? Non, apparemment, il n'y a pas de partage d'écran pour le moment. D'accord, alors attends, je vais le lancer parce que ça sera parlant. Voilà, je vais faire partage d'écran. Alors, attends, il faut que j'aille là. Tchac, écran partagé. Et alors, c'est où mon truc? Ça va être là. Partagé. Donc oui, il y a bien deux bases. Alors, ça, le sondage, je le supprime. Et là, je vous mets de côté. Là, tout est bien arrivé. Vous voyez là l'écran? C'est parfait, Miguel. Merci. OK. Quand vous allez dans la recherche documentaire, vous avez donc la bibliothèque. On peut aller aussi direct sur le catalogue. Allons sur le catalogue. Vous avez le catalogue de la bibliothèque en ligne. Vous avez la base des œuvres du musée en ligne sur Navigart, enfin, gérée par Gécole. Évidemment, c'est toujours quand on fait une démonstration que ça ne marche pas. Ah si. On l'a vu tout à l'heure aussi. Hein. Ça, c'est un peu la technique parfois. Donc, je ne sais pas, moi, tapons. Je regarde. Allez. Non, prenons plutôt un truc.
du musée. Courbet. Si je tape Courbet, c'était plus flagrant de l'autre côté. On va faire comme ça. On va faire ça. Ici, pardon. C'est plus flagrant et plus rapide si je vais... En fait, il y a une interaction entre les deux bases qui s'est mise en place là depuis un an d'ailleurs. Si je vais dans les collections, donc là, vous voyez l'écran. Tout est OK. Que je vais dans toutes les collections et que je... Allez. Voilà, si je vais, mettons, sur... je tape Courbet. Voilà. OK. Hop. Il y a un lien, en fait, entre la notice, donc la notice d'œuvre qui est accessible, et si je vais dans Bibliographie, les livres de la bibliothèque, on peut, si je clique là sur le premier, là, vous voyez, catalogue des statues, musée, hein, si je clique dessus, les deux bases sont interopérables, en fait, enfin, sont reliées, pas interopérables, mais reliées. Et vice-versa, quand je serai dans la... Alors, quand ça marche, hein, mais je vous dis, c'est à chaque fois quand on fait une démonstration que ça ne marche pas. Okay. Et là, on atterrit sur la notice. Voilà, on atterrit sur la notice de la bibliothèque et donc vice-versa de la notice de la bibliothèque. On va atterrir, si je reclique sur une œuvre, on va atterrir sur Navigart, sur les œuvres. Donc, les deux bases sont reliées. Et le lien, sinon, entre… Alors, j'essaie de récupérer vos visages. Où êtes-vous? Je vais faire arrêter, partager l'écran. Oui, voilà. Le lien entre la bibliothèque et la documentation et la photothèque, la bibliothèque a comme responsable hiérarchique le conservateur du 19e siècle, Jean-Rémy Touzet, et la documentaliste aussi. Donc, il y a une personne au dossier d'œuvre et donc on bosse en fait main dans la main. C'est-à-dire que la bibliothèque va fournir énormément de documentation pour la documentation. Et en fait, on fait des exports, justement. Enfin, moi, je me charge de faire des exports d'une base à l'autre pour que l'ensemble soit interopérable. Sachant que la documentation reste une documentation papier. On n'est pas encore sur une documentation numérique, comme je sais, certains de vous le font. Nous, ça reste une documentation papier. Voilà. On nous demande quel logiciel tu utilises précisément comme étude. Pour la bibliothèque, c'est PMB. D'accord, comme nous aussi d'ailleurs. Tiens. PMB pour pour les deux, en fait, du coup, puisque ça fait SIGB et OPAC, avec la galère d'un OPAC qui n'est pas très, très facile, si je puis dire. OK, parfait. Merci, Mickaël. Je pense que... Il y a eu pas mal de réactions là sur notre chat de discussion par rapport aux conditions d'ouverture des bibliothèques et centres de documentation donc pendant ces confinements successifs. Et si quelqu'un veut prendre la parole pour nous présenter un petit peu en 2-3 minutes le cas spécifique de son institution, c'est le moment. Vous pouvez mettre « je suis intéressé » dans le chat et prendre la parole dans la foulée. Pour partager tout ça avec nous, ça pourrait être super sympa. Ah, c'est dur de prendre la parole en premier. Je le sais bien que c'est dur de prendre la parole. je peux continuer à ce moment-là à répondre sur la question d'avant, puisque j'ai ouvert les discussions. Et effectivement, ils mettent comment faites-vous pour croiser les infos pour répondre à une recherche sur les collections du musée entre documentation et dossier d'œuvre, enfin, entre la bibliothèque et la documentation. Et c'est vrai que du coup, comment dire, en plus, le lieu physique, si les gens se déplacent, ce sera plus à la bibliothèque qui se déplaceront, la documentation étant en fait à côté des bureaux de la conservation et moins apte à recevoir du public. En fait, c'est vrai qu'on se passe beaucoup de dossiers en fait d'un côté de la rue à l'autre côté de la rue, parce qu'en plus, il y a une rue qui nous sépare. Mais ça tourne quand même correctement. Une question sur l'accès qui vient d'arriver. Est-ce qu'il est indépendant du musée? Eh bien non, en fait, mais du coup, c'est aussi pour ça que j'avais demandé l'aide du service accueil. C'est que, en fait, là, les gens passent par l'entrée de service, sont obligés de montrer patte blanche, de sortir une pièce d'identité. Et du coup,
Quand il y a déjà des gens en bas, si quelqu'un arrive, je peux difficilement aller le chercher ou la chercher. Et donc, l'aide du service accueil était quand même très pratique pour le coup. D'accord, merci. Alors, je regarde dans le chat, hein, je Ouais. vois qu'on parlait de l'INHA, qu'on parlait du musée d'Aquitaine, du Carré d'Art, du musée des Beaux-Arts d'Orléans, des douanes de Bordeaux, du musée de Pont-d'Avant. Bah, toutes ces personnes qui sont intervenues, ce n'est pas vous ou autre chose, hein, ou quelqu'un d'autre. Hein, si vous souhaitez intervenir, c'est le moment. Ce serait vraiment top. Il y a quelqu'un qui a répondu, hein. Enfin, qui propose quelque chose. Angèle Fourès, je ne sais pas. Que je connais très bien, puisque j'ai la chance de l'avoir pour collègue, elle aussi. Donc, tiens, tu as vu sa question, donc tu peux aussi y répondre. Ouais, alors attends, la bibliothèque s'est réveillée un peu plus vite. Ah oui, sur le côté dynamique, la bibliothèque comme lieu interne, ressource, lieu de travail, lieu de vie, bah effectivement, en fait, enfin, le confinement l'a provoqué, mais c'est un peu, c'est peut-être aussi un peu ma manière de faire, en fait, enfin, d'être, enfin, de rendre je sais pas comment dire, que la bibliothèque soit, que les gens et les collègues n'aient pas peur d'aller à la bibliothèque, grosso modo, même, voire même qu'ils se disent aller à la bibliothèque, ça va être un endroit où, plutôt sympathique et où je vais trouver des ressources. Et du coup, j'essaye de devancer ces ressources. Ben justement, d'être dans les réunions de direction, réunions de conservation, ça me permet d'être au courant aussi de un petit peu tout ce qui se passe au musée. Et de devancer les ressources que vont, les demandes que vont avoir le service des publics, puisque souvent je vais bosser sur des expos bien avant le moment où elles vont s'y mettre. Bon, c'est une manière aussi d'être un lieu ressource. Enfin, elles savent qu'il va y avoir que la bibliothèque va pouvoir fournir le service. Après, c'est vrai que j'arrête pas de dire que aux collègues. Enfin, quand je suis arrivé, j'ai acheté un chariot et la plupart des collègues bossent de l'autre côté de la rue. Enfin, vous voyez peut-être sur le petit plan qui défilait tout à l'heure. C'est un ensemble muséal assez important. Et du coup, eh ben, je peux livrer les livres. Donc, je vais livrer les livres quand quelqu'un me commande. Je vais livrer le livre en main propre le matin en allant chercher le courrier ou je ne sais quoi. C'est aussi l'occasion, en fait, de voir. Bon, après, moi, c'est ma vision de bibliothécaire du service, enfin, de lecture publique au départ. C'est que, mais je pense que vous la partagez avec moi, c'est que. La plupart des collègues font des demandes, mais en fait, ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Souvent, ils cherchent autre chose. Il faut juste discuter avec eux pour savoir un peu plus ce qu'ils cherchent vraiment. Et donc, si je leur fournis juste un livre, mais souvent, le service est pas fini. Par contre, si on échange, je vais m'apercevoir qu'en fait, derrière, ils ont des questions, ils ont une autre recherche, en fait. Ils cherchent quelque chose sans savoir le dire précisément. Et là, c'est justement par le contact que ça passe, en fait, par l'échange et physique, enfin, qu'on va pouvoir avancer. Est-ce que la fréquentation a augmenté depuis la rénovation de la bibliothèque? Oui. Enfin, en fait, non, parce que enfin, dans mon projet de service, j'ai eu un mal fou à retrouver ben, des documents de fréquentation de la bibliothèque. Datant d'avant la fermeture. Donc, j'ai interrogé mes collègues qui étaient en poste à l'époque, mais qui n'avaient pas gardé eux-mêmes trace. A priori, la bibliothèque, la fréquentation n'a pas augmenté depuis la rénovation de la bibliothèque. Même le seul document, les seuls chiffres que j'ai trouvés étaient par exemple sur les emprunts de documents avant la fermeture, donc les emprunts en interne. Et les emprunts en interne ont clairement très, très nettement diminué, de moitié. Je l'explique, un, parce que la bibliothèque a été fermée pendant longtemps, comme je vous le disais, et que les collègues s'en sont passés et ont d'autres. Et puis Internet, entre-temps, pendant la bibliothèque a fermé en 2011, en fait. En 10 ans, la force quand même des ressources numériques a beaucoup augmenté. Et puis la bibliothèque était auparavant dans le musée, ainsi que les collègues qui étaient dans des bureaux dans le musée. La proximité faisait que. Bah, que qui passait plus souvent à la bibliothèque. Alors justement, pendant le confinement, ce que j'ai essayé de mettre en place, enfin, juste au déconfinement, avant l'été, c'est la circulation notamment des revues. Alors vous le faites peut-être aussi dans vos établissements, de
toutes les revues d'art en fait, auxquelles on est abonné, ou pas abonné, mais qu'on reçoit, de les faire circuler entre la conservation, le service des publics et puis tous les différents responsables de services. Et ça marche pas mal aussi. Et ça comble le fait qu'ils viennent moins à la bibliothèque. J'en ai profité pour lancer une question. Tu as bien raison. En transition sur un échange potentiel suivant. J'ai beaucoup aimé dans ton discours cette question de finalement, le confinement, ça a créé des opportunités, parfois une opportunité budgétaire, tout simplement. On a pu récupérer des budgets par-ci, par-là, mais aussi de l'opportunité pour faire du travail qu'on n'avait pas le temps de faire le reste de l'année, mais aussi une opportunité pour travailler mieux en interne. Donc, ce que j'ai envie de recueillir là avec ce petit sondage, c'est finalement, est-ce que vous avez le sentiment que cette période, elle a quand même, malgré tout, été propice à la création de nouvelles opportunités pour nos services respectifs? Et je vois que ça avance tranquillement, mais là aussi, ouais, c'est de 50-50. Ouais, un peu plus, oui, même quand même. Le oui, en train de prendre le temps, ouais. En attendant que les collègues finissent de cliquer, parce que ça ne va pas être si facile de cliquer sur les sondages quand on a un smartphone, il y en a qui ont des smartphones, je voyais dans les questions, est-ce possible d'en dire un peu plus sur le fichier de ressources numériques mis en place pour les équipes en interne pendant le confinement? J'avais auparavant une fiche simple sur une simple page très efficace avec tous les codes de nos abonnements. Et puis, on en restait un peu là, quoi. Et là, du coup, c'est un fichier… Merci Liane Acha, je me suis aussi inspiré de tout ce qu'ils ont pu référencer comme site, comme lieu de ressources, etc. Et j'ai tout reclassé un petit peu avec différents onglets, les onglets qui nous donnent des ressources intégrales en ligne, les bases de données, différentes choses, les MOOC aussi, c'était assez large, les sites d'acquisition de livres rares, c'est de plus en plus large et je l'enrichis en fait à chaque fois. Alors, il a vraiment vocation à rester en interne, puisqu'il y a plein de codes. Mais il me sert quand même pour l'externe. Quand des étudiants viennent, je peux quand même les guider vers différentes ressources numériques, dont souvent ils ne savent pas, mais ils ont les codes via leur université parfois, ou ils peuvent les demander aussi. Ou alors je peux faire la recherche en même temps qu'ils sont là sur un document, quoi. Donc c'est un fichier Excel, enfin un calque, qui est assez volumineux. Et puis tous les abonnements, si on a fait tout un travail pendant le confinement avec notre fournisseur de revues, que toutes les revues auxquelles on est abonné nous donnent leur code, ce qui n'est jamais gagné. Et en fait, on a pas mal de revues qui nous ont donné leur code. Ça va de Apollo qui nous donne accès à tous ses anciens numéros, en passant par, pas mal de revues qui nous donnent accès à leurs vieux numéros. Voilà. Il y a plein de questions. Il faut que tu mettes Stéphane, il y a trop de questions, je peux pas. Il y a une question sur. Sur le scan des documents en interne. Est-ce que tu scannes ou est-ce que tu photocopies le son des documents? Là, après, il y a des gens qui nous présentent un peu. Scan en interne, mais sur quelques pages, et photocopie pour la documentation, les deux, mais ce n'est pas moi qui fais les photocopies pour la documentation, c'est la documentaliste qui s'en charge, en fait. Moi, je donne le document brut en signalant que ce document a un intérêt pour elle, et c'est elle qui s'en charge. Après, on a un scanner. Assez bien pour tout ce qui est nos anciens catalogues qu'on a pu scanner nous-mêmes, un scanner à plat, le gros scanner, quoi. Et là, je vois aussi une collègue là, qui dit que son centre de documentation a développé une lettre d'information propre au service, au musée Bona. Ouais, c'est une super idée aussi, quoi. Ouais. La veille documentaire, les lettres d'information, effectivement. Moi, je ne donne que des nouvelles, par exemple, des acquisitions et des quelques petites choses auxquelles la bibliothèque a participé, mais c'est assez informel. Mais c'est une bonne idée, la lettre d'information, je pense. Je vois qu'il y a une remarque aussi. On nous demande que tu parles du travail que tu as réalisé sur la zone bibliothèque du site Internet. Et ça me fait penser que dans ton intervention, ce que j'ai trouvé
un peu singulier par rapport à ce qu'on peut entendre. Tu n'as pas trop parlé de numérique finalement. Tu as parlé de choses que tu as fait sur place, que tu as imaginé avec les gens qui étaient autour de toi. Ouais, peut-être que je. Non, mais c'est vrai. C'est chouette de se dire que. On ne saute pas forcément sur les outils numériques pour de nouveau toucher nos publics quand on est en période de confinement. Donc, je vais prolonger ça, sur cette question sur le site Internet. Quid des réseaux sociaux? Quid, j'en sais rien, de tout ce qui pourrait être outil numérique du musée qui était à ta disposition et que tu aurais pu utiliser chez tes publics pendant ces périodes de confinement? Alors, du coup, les réseaux sociaux, quand j'en ai besoin, on a une personne qui est en charge des réseaux sociaux. Enfin, Service Com, ils sont quatre, dont une personne qui est vraiment en charge des réseaux sociaux. Du coup, quand j'en ai besoin et qu'elle veut, je lui demande et elle me fait un super truc. Enfin, je lui fournis la matière, etc. Bah, comme là, pour les étudiants, pour dire la bibliothèque est ouverte. Et elle met tout ça en page. Elle-même, du coup, est venue me chercher aussi pour faire un calendrier de l'Avent, enfin, il y avait un calendrier de l'Avent, donc la bibliothèque, enfin, du coup, moi, y ai participé en faisant un petit truc devant une œuvre du musée. Après, j'ai parlé un peu des ressources numériques. Effectivement, le site du musée, j'essaie de l'améliorer, enfin, le site de la bibliothèque, j'essaie de l'améliorer main dans la main avec la personne qui gère le site du musée pour que les deux soient le plus harmonieux possible. Il y a beaucoup d'améliorations à faire sur un site. Puis alors, je ne sais pas pour les autres, mais sur PMB, enfin, j'ai vraiment du mal. Et puis, ça prend un temps fou, en fait. Ça prend juste un temps énorme. Donc oui, je m'y suis mis pas mal, mais il reste encore plein de choses à faire. Et justement, c'est l'avantage des stagiaires souvent qui ont… plusieurs fois, je les ai fait bosser sur le site de la bibliothèque. Ils ont plus de capacité que moi, je pense. Enfin, plus d'intuition aussi et de savoir-faire là-dessus. Il y avait d'autres comme questions. Il y avait plusieurs questions sur ton budget. Ah oui, le budget. Ouais. Le budget annuel, hein, c'est une. Je vois Sophie qui sourit. C'est un budget qui est vraiment correct, qui est conséquent, qui est de, si je ne me trompe pas, normalement, enfin, environ 12 000 euros. Pour les acquisitions, et tout compris, c'est acquisition de ressources numériques, acquisition de livres, acquisition de revues. Et voilà. Après, par exemple, là, je suis dans une phase où je dois déménager des collections et j'ai demandé un budget d'investissement pour des étagères, donc à peu près 9 000 euros d'étagères pour je ne sais plus combien, pas loin de 200 mètres linéaires. Qui va être hors de ce budget-là, évidemment, quoi, qui est un budget complémentaire du musée. Et puis, comme chaque année, j'espère, mais comme vous tous, je pense, les rallonges de fin d'année. Mais il y a des années qui sont moins propices que d'autres. Et on n'est pas typiquement dans les années les plus fastes, on va dire. Et je pense pour vous, pareil. Donc voilà. Après, c'est pareil. Hein, on a le projet de service qui est quand même, enfin. Et avec Sophie, j'y ai beaucoup bossé. Elle m'a aidé à le rédiger, d'ailleurs, à le finaliser. Le premier jet n'était pas convenable, en fait. Et là, en fait, c'est un outil, c'est une sorte de machine de guerre, en fait, le projet de service. Grâce à ça, quand je vais voir Sophie, la directrice, ou même Jean-Rémy, le responsable au-dessus de moi, en fait, on peut justifier les 9 000 euros de budget d'étagère sont justifiés par le fait qu'il y a tout un programme à 5 ans de déplacement des collections pour pouvoir ramener les collections les plus vitales au musée et envoyer en réserve externe des collections moins importantes, mais qu'elles soient bien conservées. C'est grâce au fait qu'on ait validé un projet de service que c'est justifié. Après, cette année, on a fait la tentative d'obtenir un poste supplémentaire pour la bibliothèque, avec le soutien, après là c'est des arbitrages qui dépassent le musée, mais je sais que le soutien de Sophie était là et très important, quoi, grâce au projet de service notamment, quoi. Je vais relancer un petit sondage sur le télétravail. Ça m'intéresse d'avoir un petit peu la... tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit que tu étais beaucoup plus efficace sur place et ça m'intéresse un peu de savoir comment tout le monde
Ben voilà la gestion de tout à chacun par rapport au télétravail. Alors, j'ai mis des réponses pour à peu près catégoriser, hein, mais c'est des tendances. Hein. Voilà, je vous laisse répondre. Eh bien, le temps que les gens répondent, je réponds aussi à avez-vous des réserves externes? Oui, on a des réserves externes. Alors ici, la salle que vous voyez derrière moi, il y a, je crois, un quart des documents, à peine un quart, un cinquième des documents. Ensuite, il y a cinq étages et donc là, il y a des réserves sur place, plus des réserves externes qui sont partagées avec les archives municipales, mais qui justement nous chassent gentiment. C'est-à-dire qu'on leur avait emprunté les lieux pour un an ou deux et ça fait cinq ans qu'on y est. Et donc, il faut qu'on les libère et je vais donc regrouper les livres à côté des réserves muséales, en fait. Du coup, des réserves de tableaux, enfin, tableaux et œuvres muséales. C'est quoi OK, là, on voit le sondage qui est en train de se remplir et c'est toujours des sondages précédents. On voit qu'on a de nombreux collègues qui ont fait avec. Hein. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Voilà, c'est plus ou moins difficile, on s'adapte, on innove, on va de l'avant. C'est une bonne chose. Il y en a 4 personnes pour qui rien n'a changé. Et je vois que ça te fait sourire. Et il y a plusieurs personnes quand même qui regrettent le contact de leur fond, de leur public et de leurs collègues. C'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, hein, mais toujours. C'est peut-être ceux qui sont fermés ou on ne peut pas le relier aux autres sondages, mais effectivement, si le fait d'être ouvert et d'être là, en fait, c'est vrai que c'est important aussi pour les collègues qu'il y ait un service du musée qui soit ouvert. Le musée est fermé, mais il se passe encore, enfin, on sait qu'il s'y passe des choses, hein, on a des expos et autres, mais c'est un des lieux où le public peut venir un petit peu. Alors, un public, évidemment, pas très nombreux, mais qui rend le musée accessible encore un tout petit peu, quoi. Je précise encore une fois, si quelqu'un souhaite intervenir, prendre la parole sur cette thématique du télétravail, n'hésitez pas, hein, ou sur toute autre thématique. Maintenant, on se rapproche de plus en plus de la fin de ce webinaire. Tout à chacun est libre d'exprimer une opinion, parler d'une expérience ou d'un sujet plus ou moins éloigné de cette thématique qui nous relie là pendant 7h30 de webinaire. Allez-y, hein, vous avez complètement la parole et pas uniquement que par le chat. Vous pouvez intervenir et on sera ravis d'échanger avec vous. Sinon, j'avais aussi une question. Parce que c'est des choses que je m'étais posées au début comme question. C'est, j'ai vu que certains de vous, je crois, au MacVal, vous le faites une veille documentaire en fait à destination de tout le, enfin une sorte de revue de presse à destination de tout l'établissement. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être assez chronophage? Est-ce que c'est lu? Est-ce que c'est apprécié? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du MacVal qui est encore là. Il y avait Céline, je l'ai vue tout à l'heure. Je ne sais pas si elle a un micro ou si elle peut prendre la parole, mais je vois Céline Latil, elle est ici. En tout cas, Céline, si tu nous entends et que tu as la possibilité de nous répondre, tu es la bienvenue. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Si quelqu'un veut rebondir. Moi, oui. Moi, je veux bien prendre la parole, s'il vous plaît. Ouais. Donc, je suis Emmanuel Astoron du Musée Carré d'Art à Lille. Bon, c'est dommage que Céline ne soit pas là pour justement discuter de son panorama de presse, parce que je pense que c'est ça dont vous parliez. Ouais. Et moi, justement, sur cette idée-là, j'avais vu que le MacVal le faisait, j'ai voulu le tenter dans mon équipe. Ça n'a pas du tout fonctionné. D'accord. Pourtant, j'avais fait un sondage avant de me lancer là-dedans, parce que je savais que c'était très chronophage de le faire. J'avais demandé à toute l'équipe s'ils seraient intéressés. J'avais un petit peu évoqué le type de panorama que je comptais faire. Tout le monde était très enthousiaste, mais vraiment. Donc, je me suis lancée là-dedans. Je me suis dit, bon, bah, allez, on y va, tant pis. Je scanne les documents, je fais ma sélection. Le premier panorama de presse a été vu par 2 personnes. Après, les 2 autres, rien. Donc, j'ai abandonné parce que ça me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait pu marcher, en fait. Voilà. Donc, et l'équipe m'a dit que eux-mêmes avaient manqué de temps en fait pour lire ça. Donc voilà. Bon, après le MacVal, ils sont nombreux, hein, au centre de documentation, ils sont 8. Donc dans le temps, c'est pas du tout la même chose que chez vous ou chez moi.
Vous êtes combien, vous Moi, je suis seule. D'accord. Comme Mais vous. c'est vous qui faites les newsletters. Du coup, c'est vous qui faites les newsletters qui doivent être aussi assez chronophages à faire, non? Oui, ça prend beaucoup de temps. Parfois, pour en faire une, je mets 2 jours. D'accord. Ouais. Et ça, par contre, ça a du succès? Enfin, ça marche bien? Ça a du succès. Par contre, jusqu'à il y a ça fait maintenant un mois et demi que la personne qui s'en occupait est partie. Parce que là, moi, je suis à 3 jours, je suis à temps partiel pour m'occuper de ma fille. D'accord. Et une personne était là pour 2 jours. Et cette personne est partie et n'a pas été remplacée. Donc, j'essaie de continuer tant bien que mal, mais en faisant une newsletter par mois plutôt qu'une par semaine, parce que ce n'est pas possible. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'on a de bons retours sur ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui a réagi, qui demandait, qui s'interrogeait, est-ce que c'est peut-être la forme du panorama de presse qui posait problème? Alors, je ne sais pas exactement ce que… Moi, je faisais une sorte de PDF que j'éditais sous forme de feuilletoir numérique avec Calameo. Et je leur envoyais le lien pour qu'ils aient accès à tout moment en ligne. Et je mettais aussi une copie sur notre réseau interne. Voilà. Donc après, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché plus à… Vu que ça me prenait beaucoup de temps, je n'ai pas cherché à… J'ai pas voulu trop me poser de questions, quoi. Voilà. Je ne sais pas si d'autres personnes ont expérimenté ça et pourraient me dire si ça a marché chez eux. Après, j'ai l'impression qu'une partie, enfin, les gens qu'on vise vont être notamment tout ce qui est le service médiation, la conservation, etc., qui ont eux-mêmes des abonnements à des. Enfin, qui reçoivent des newsletters, qui reçoivent les. Ils sont abonnés à différents types de presse spécialisés dont ils reçoivent les avis et en fait, ils se font leur truc en direct, quoi. Enfin, ils se font leur sélection et en fait, on arrive par-dessus et c'est pas autant nécessaire, quoi. Peut-être. C'est vrai que… Je peux peut-être prendre la parole un petit peu parce que j'ai évoqué le Scoop-It. En fait, je suis Marie Petit, je suis au Musée d'Histoire de Nantes et on a un Scoop-It qui, enfin un topic sur Scoop-It qui existe depuis très longtemps qui s'appelle InfoWeb et que j'ai dynamisé pendant le confinement, le premier confinement, ça a beaucoup marché, il y avait beaucoup d'infos relatifs au protocole par rapport à tout ce qui était relatif à la Covid-19 en lien avec les musées bien sûr. Les collègues ont beaucoup, beaucoup apprécié ça. Depuis le deuxième confinement, je suis revenue sur des informations beaucoup plus classiques, on va dire, ce qui est en lien avec les musées, en fait, nos thématiques d'expo, etc. C'est un petit peu, ça marche un petit peu moins bien au niveau de la consultation. Sachant qu'un InfoWeb, un Scoop-It, c'est toujours aussi pour l'externe. Mais ce que je fais par ailleurs, c'est que je rajoute un mail édito, en fait, hebdomadaire, dans lequel j'indique aux collègues qu'est-ce qui peut être intéressant pour eux. Donc, ça veut dire qu'il y a à la fois les informations qui sont mises sur le topic du Scoop-It, et ensuite un mail qui fait un récapitulatif de ce qui peut être intéressant pour eux. Donc, avec ça, normalement, c'est un petit peu mieux. Mmh. Ah ouais. Mais par contre, c'est un sacré boulot, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais continuer effectivement de cette manière-là ensuite. C'est parce que là, vous êtes vous êtes moins sur les documents et moins avec le. Enfin, vous avez le temps de consacrer à ça. Il y a moins d'animation à faire auprès du public. Donc les scolaires sont plus là, en fait. Il y a moins de recherche aussi à faire un petit peu. Par rapport justement aux équipes de médiation. Les médiateurs nous sollicitent beaucoup moins en ce moment. Donc, j'en profite pour mettre ça en avant. Et puis après, on verra s'il faut restreindre ou pas ce travail. Mais ce n'est pas tout à fait un panorama de presse, c'est vraiment des informations mises à disposition. C'est intéressant. Et après, en fait, chacun va lire ou pas l'article qui est mis en avant. Mais oui, non, c'est intéressant. Après, par exemple, nous, ce qu'on a pu faire là, qu'on n'avait jamais fait, c'était un petit peu paramétrer Art Price. Mais ça, vous devez sûrement le faire. Enfin, où chaque conservateur a donné ses listes de suivi et avec un renvoi. Enfin, grosso modo, ça leur permet maintenant d'être de tous les matins recevoir toutes sortes d'alertes sur les artistes suivis.
C'est un truc qu'on n'avait jamais pris le temps de faire et là, on s'est mis à le faire et ils en sont plutôt contents, quoi. Super. Est-ce que quelqu'un a encore envie de réagir? En tout cas, le sondage, c'est super. C'est plutôt dynamisant de voir que ça a beau être difficile, mais en fait, on est obligé de trouver des idées, d'innover et de s'adapter et qu'on le fait bon an, mal an, quoi. Ça, c'est positif pour nous tous, je pense. Ah, puis je crois que ça fait partie du cœur des métiers qu'on occupe et qu'on exerce. Cette capacité à se réadapter aussi face au numérique dans un premier temps, face au confinement, face à la crise sanitaire, face à tout un tas de choses. Et c'est super positif de voir qu'on en est capable. Écoutez, je fais une dernière tentative pour savoir si quelqu'un veut intervenir. Sinon, c'est juste que je vais boucler le séminaire. Je vous laisse 30 secondes. Si vous voulez poser une question à Michael ou une question dans le chat ou intervenir, sinon, on terminera là-dessus. Hein. On est presque, si on enlève les 10 minutes d'atermoiement technique au début, on est sur notre heure 30 de. Voilà, Camille qui nous demande la parole, je vous en prie, allez-y. Moi, je voulais remercier tout le monde d'être là et d'avoir poursuivi les échanges d'ouvrages avec le Centre de documentation de Dunkerque, parce que je reconnais quelques noms parmi tout le monde. Et du coup, je voulais remercier tout le monde d'avoir continué à jouer au jeu. Et même s'il y a moins d'expositions, donc moins de catalogues d'expo, merci à tous d'avoir continué à assurer aussi ce travail de réseau qu'on entretient tous ensemble. Donc, voilà, c'était juste pour vous dire merci à tous. C'est vrai que c'est assez marrant, c'est que j'ai vu plein de têtes, ou au moins des noms pour ceux dont on ne voit pas la tête, de collègues avec qui on échange des messages régulièrement. On s'échange des livres et on a toujours les surprises de découvrir les beaux catalogues qui nous arrivent. Mais du coup, on ne se connaît pas, ou pas beaucoup, quoi, on ne se voit pas souvent. Vivement l'année prochaine qu'on puisse se voir en vrai, quoi. Et vous pourrez le faire pendant les prochains événements organisés par MEST ou dans vos régions ou sur différentes thématiques. On aura évidemment plaisir à vous voir. Moi aussi, je reconnais plein de personnes avec lesquelles on a déjà pu échanger pendant ces longues années de collaboration et de travail en réseau. Et je vous remercie d'être toujours fidèle, et de participer. C'est vraiment chouette. Un petit mot. Mais vas-y, Michael. Comme ça, un petit mot, en fait, c'est qu'il y a plusieurs réseaux autour de la documentation, les bibliothèques et l'histoire de l'art. Et là, je vois Anne Cardinal, qui est là, l'INHA. Et je ne sais pas si, en fait, tout le monde est dans les deux réseaux, pas obligatoirement. Mais effectivement, ça se recoupe un petit peu. Et c'est bien qu'il puisse y avoir des échanges, justement, et que. Que les deux réseaux s'entretiennent mutuellement des échanges, quoi. Ouais, c'est des choses qu'on essaye de faire. On est assez proche aussi de l'ADBS, par exemple, qui est un réseau plus généraliste de professionnels de l'infodoc. On essaye quand c'est possible de faire des choses ensemble. Mais Anne, si vous voulez faire quelque chose avec nous, on sera ravis de faire quelque chose avec vous. Ça, j'en suis sûr. Ça sera avec plaisir. Vraiment, ça sera avec plaisir. Et je voulais vous remercier, Michael et toi, c'est vraiment, tous les deux, vraiment, c'était très, très bien pour ce premier webinaire. Vraiment, vraiment merci. Écoutez, c'est nous qui vous remercions. Juste deux petits points. C'était le premier webinaire. Qui dit premier, dit deuxième. Rendez-vous pour tous ceux qui sont intéressés le 7 mai prochain de 14h à 15h30. On sera sur le même format, la même thématique. Sauf que là, on ne partira pas au Musée d'art de Nantes, mais on partira au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, avec la même volonté de traiter cette problématique. Un type de musée différent, un type de service différent, des professionnels différents. Vous verrez des idées en commun, des idées qui divergent, et on a envie d'échanger avec vous sur cette problématique. Donc, on va recommuniquer là-dessus. Si vous êtes membre du réseau, vous allez recevoir les informations via notre liste de diffusion. Sinon, par les différents canaux auxquels vous avez pu avoir accès déjà aux modalités d'inscription sur ce premier webinaire, les réseaux sociaux, les réseaux partenaires, les lettres d'information. N'hésitez pas à venir participer nombreux. N'hésitez pas non plus à nous faire vos retours sur l'organisation,
me dire ce qui vous semble avoir bien marché, moins bien fonctionné. Me dites pas tous que les 10 premières minutes étaient une catastrophe technique, je le sais. On va faire attention sur le test d'avoir le bon lien au bon moment. Je comprends toujours pas ce qui s'est passé, mais peu importe. Et si vous voulez aussi adhérer au réseau, c'est gratuit, faire partie de notre communauté, ça vous permettra d'avoir accès aux informations un petit peu avant les autres et d'avoir peut-être une garantie d'avoir une place sur un événement ou à l'accès à une ressource qui sera prioritaire par rapport aux autres professionnels. Sur des webinaires comme ça à distance, où on peut aller jusqu'à 100, il n'y a pas trop de soucis, mais quand c'est en présentiel, c'est plus compliqué. Et quand c'est les visites thématiques qui sont peut-être notre blockbuster, là, c'est très, très, très compliqué. Donc voilà. Et encore un grand merci à toutes mes collègues, toutes et tous, puisqu'on est de plus en plus de garçons du comité de pilotage, d'avoir travaillé sur l'organisation de ce webinaire. Merci, merci, merci. Puis Michael, hein, vraiment merci, un câlin à distance avec tous les gestes barrières. C'est ça. et au plaisir de partager. Non, ben ouais, merci. Rapidement. Ouais. Ben merci à tous pour plus d'avoir participé. En plus, que je vois tout le monde qui mettait des messages, mais c'était assez dur à suivre tellement il y en a eu à un moment. Et puis, simplement pour vous dire que vous êtes les bienvenus si vous passez par Nantes. Je pourrais vous faire visiter la bibliothèque du musée, entre autres, hein, mais il y a plein d'autres choses très intéressantes à voir. Voilà, merci et à très bientôt. Au revoir tout le monde, bonne fin de journée.